Good morning, allez, on est tous aujourd'hui le Nishmat Murabi Shmuel Ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin Ben Mazal, Amram Yona Ben Chana, ainsi que Dirfuat, Sarah Bat Beti Rivka, Rafael Zvulon Ben Chayamalia, Myriam Bat Chassida, Edov Ben Yudit, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah concernant la sécurité éternelle, nous étudions Masechet Roulin, Perek Vav, Mishnah Bet. Ashochet Venimtsat Trefa, Vashochet Lavodazara, Vashochet Roulin Bifnim, Bekodashim Bachutz. Chayav haof haniskalim, Rabbi Meir mechayav vachachamim potrin. Ashochet venitna bela beyado, anocher veameaker patur minechasot. Pour rappel, le sujet de notre chapitre, c'est la mitzvah de kisui adam, la mitzvah de recouvrir le sang lorsque l'on égorge une chaya ou un off, c'est-à-dire un animal sauvage, pas domestiqué, et un off, une volaille, quelle que soit la volaille, à exclure les behemoths. Les animaux domesticables, qui sont la famille des taureaux, la famille des moutons et la famille des chèvres. D'accord ? C'est les trois. Pour ces trois choses-là, lorsqu'on égorge, on n'a pas de mitzvah de recouvrir le sang. Tandis que pour tout ce qui est un animal sauvage ou tout ce qui est une volaille, on égorge, on recouvre le sang. Mitzvah de recouvrir le sang. Ok ? Ça, c'est le sujet. Maintenant, un deuxième petit rappel, parce que je suis sûr que lorsque vous avez lu la Mishnah, j'espère pour vous en tout cas, que lorsque vous avez lu. Ça vous a rappelé, vous avez sûrement eu l'impression d'avoir déjà étudié cette Mishnah récemment. Et effectivement, dans le Perek He, c'est le principe de Chulin maintenant, c'est qu'on va se retrouver avec plusieurs mitzvot que l'on va prendre et qu'on va s'intéresser à toutes les définitions et tout, quand on est imposé, dans quelles circonstances exactement, à quelle période, à quelle époque. Et donc on va trouver une certaine redondance en fait sur chaque sujet. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans le Perek He, on a parlé de mitzvot de Otovet Beno, ne pas égorger dans la même journée une vache et son petit, eh bien, et on a appris dans toute, à quelle époque, si toutefois tu as égorgé, mais que l'animal il est mort, tu as raté la shrita, l'animal il était tout à fait interdit de la consommation, et là on va reprendre, par rapport à la mitzvah de Kisui Adam, les mêmes principes exactement, et réfléchir maintenant par rapport à la mitzvah de Kisui Adam, d'accord? Donc en fait, on est assez familier avec cette Mishnah, mais en fait, ça va aller vite. « Ashochet venimtsat trefa » celui qui égorge un animal, soit un tzvi par exemple, et il s'avère qu'en fait il était très fin. Il avait un problème, une malformation dans son corps, un animal qui était un membre interne qui était perforé par exemple, selon la règle des tréfautes. Donc, on avait appris que lorsqu'on fait la shrita, un animal qui n'était pas viable, on n'a pas le droit de le consommer. Mais la shrita, elle a quand même fonctionné. Elle a été bien faite, la shrita. Elle va même faire que cet animal ne va plus véhiculer d'impureté, même s'il n'est pas permis à la consommation, d'accord? C'est ce qu'on apprend à Shochet Venimtsa Trefa. Celui qui fait la shrita, qui abat l'animal avec la shrita, mais qu'il s'avère que l'animal, il a été non consommable, malgré tout. Ou encore, Shochet l'Avodazara. Celui qui fait la shrita au nom de la Avodazara. Il veut faire une offrande à une idole, d'accord? Maintenant, on va avoir quand même la misa. Après, il fait tchouva. Est-ce qu'il doit recouvrir le sang? Ou encore, vachochet, choulin, bifnim. Ou encore, celui qui va prendre un animal profane et qui va faire entrer dans le bétamigdash pour lui faire la shrita dans le bétamigdash. Et bien évidemment, on a appris qu'il y a un interdit à cela et que l'animal, il va être interdit à la consommation. Si vous prenez votre vache, vous allez faire la shrita au bétamigdash pour votre consommation personnelle, l'animal, il est interdit à la consommation, d'accord? Donc, maintenant, si vous avez pris un tzvi, par exemple, un cerf ou un poulet, vous l'avez fait entrer à l'intérieur de la Zara, là-bas, vous lui faites la shrita, interdit à la consommation, est-ce que vous devrez recouvrir le sang ou non? C'est ce qu'on va voir qu'il y a une discussion. Donc, on a peu vu pour le moment 3. On égorge, mais que l'animal il s'avère non viable. Deuxièmement, on a vu celui qui égorge pour la Avodazara, pour l'idole. Ou encore celui qui fait la shrita d'un animal permis à l'intérieur de la Zara. Donc il interdit la consommation. Ou encore Vekodashim Bachus, où il fait la shrita d'un animal qui était Kadosh, qui était un korban, mais il l'a fait à l'extérieur du Betamikdash. Donc il interdit la consommation. Il y a même un interdit, il y a même un Chiyuv Karet, passible de retranchement sur cela. Mais notre problème est de savoir est-ce que. Je dois quand même recouvrir le sang. Ou il y a encore une cinquième situation qui est Chaya Vaof Haniskalim. Un Chaya, un animal non domestique, un animal sauvage, et un Of, une volaille, qui sont Niskalim, qui sont condamnés à mort pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils ont tué un être humain, ça peut arriver. Ouais, vous avez un,
peu importe, qu'est-ce que ça peut être, un chien qui a... pas un chien, parce qu'il faut chercher même que ce soit un animal permis à la consommation. En fait, c'est un peu dur à imaginer, mais... il y a plusieurs, c'est... Bah, d'accord, un cerf qui a, en courant trop vite, il a dégommé quelqu'un et il va fracasser le crâne. Bah, la soute. Ça peut arriver. Ou même, un oiseau qui le rentre en pleine tête pendant qu'il s'est envolé. L'oiseau, il est condamné à mort maintenant. Il faudra le tuer, s'il a tué quelqu'un. D'accord ? Dans le condamnement. Donc, quelqu'un est venu, au lieu de lui, en théorie, il fallait lui faire la skilla. D'accord ? C'est un peu rigolo de faire la skilla à un oiseau, mais en fait, j'imagine qu'il va falloir lui attacher les ailes et le jeter par terre de manière à ce qu'il va se casser la tête. D'accord ? Donc, ça, c'est Chayavaof Haniskalim qui sont condamnés à mort. Dans tous ces cas de figure, je reviens maintenant, on revient au vif de la Mishnah. Tu as fait la Shrita. Et là aussi, il a fait la shrita donc, à ces animaux qui sont condamnés à mort, donc interdits à la consommation. Il leur a fait la shrita malgré tout, et puis il a versé le sang par terre. Maintenant, il veut faire tchouba, et il demande, est-ce qu'il doit recouvrir le sang ou non? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ben, vous allez lui dire qu'il y a une marloquette sur ça, dans Chulin. Rabbi Meir Mechayev, Vachachamim Potrim. Rabbi Meir impose de faire la mitzvah de Kisui Adam, tandis que Chachamim dispense. Chachamim qui dispense, c'est très simple. Si vous reprenez le pasouk là-bas, ça demande de comprendre comment comprendre le verset en fait. Le verset il me dit, lorsque tu verseras le sang par terre, tu devras le recouvrir. Qu'est-ce qu'on... Alors, Rami me déduise que si c'est quelque chose qui va être permis à la consommation, à Sheri Achel, voilà, je cherchais le pasouk. Il y a marqué, c'est vrai, je reviens un petit peu à la charge, un petit peu en arrière. Il y a une xerachav en fait, entre Asheri Shafer. Il y a marqué ici que le sang sera, lorsque tu verseras le sang par terre, tu devras le recouvrir. Et il y a marqué dans la misa de Shrutechout que tu ne verseras pas le sang en dehors. Il y a marqué là-bas le mot, tu ne verseras pas le sang. Donc on déduit Xerashava. La question c'est qu'est-ce qu'on déduit par la Xerashava. De là-bas, Chachamim déduisent que, il y a dans le pasouk qui a marqué qu'il y a un animal consommable. Donc il faut que lorsque tu vas faire la Shrita, il faut que ce soit consommable. Et si ta Shrita ne va pas permettre à l'animal, parce que l'animal est interdit, quand il a profit ou à consommer comme ce que c'est comme les cas de figure, eh bien Chachamim dispense de Kisui Adam. Et Rabbi Meir va nous dire non, au même titre que là-bas, lorsque tu fais la Shrita à l'extérieur du Beit HaMikdash, puisqu'on est dans Shrutechout, tu as la Shrita du Beit HaMikdash, il est interdit à la consommation, et malgré tout, tu transgresses l'interdit de Shrutechout. On apprend le Zerachara pour te dire cette fois-ci, même si tu vas faire la Shrita que ça ne va pas être permis à la consommation, tu devras quand même faire le Mitzvah de Kisui Adam. Ok ? Ensuite, dernier cas de la Mishnah. Ashochet venitna bela beyado, anocher veameaker, patur miachasot. Celui qui fait la shrita, mais que nitna bela beyado, elle est devenue nevela. C'est plus qu'elle était trefa, c'est qu'elle était nevela, c'est-à-dire qu'il a raté la shrita. Il s'avère qu'il a mal fait la shrita, et donc il a pas été shochet. Ouais, c'est comme si qu'il avait tué l'animal en lui coupant la tête, en lui cassant le mettant un coup de marteau. Hanocher, ou encore, celui qui va perforer les simanim. Ou encore, veameaker. Celui, la différence, c'est qu'il va lui arracher le il va être au cœur, il va lui arracher les simanim. Les simanim, c'est la trachère et l'œsophage. Il va tuer le poulet, en fait, pas de manière conventionnelle avec la shrita, mais soit un coup de hache, soit il va lui arracher les trucs, d'accord, il va lui arracher le cou, ou il va même l'étouffer, dans ce cas-là, c'est encore une autre forme. Alors, dans tous ces cas de figure, patur min chasot, il sera dispensé de recouvrir le sang, parce qu'on apprend le shrotechout, ce qu'il faut nécessairement faire un acte de shrita et pas tuer de manière non shrita, quoi, non conventionnelle. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, comme tout ça.